votre entreprise certifiée France. Samira Benhadad, DRH France Otis. Cette année, Otis, pour la deuxième année consécutive, obtient le label Top Employer. Et chez Otis, nous avons une marque qui est plutôt reconnue du grand public, mais une marque employeur qui est encore à améliorer. Et le label Top Employer nous permet d'attirer des nouveaux talents avec une meilleure visibilité. Et derrière tout ça, les process que nous renforçons pour obtenir ce label nous permettent de garder nos meilleurs talents. La certification Top Employer, elle a deux avantages. La première, c'est qu'elle a des critères d'exigence assez élevés. Et puis la deuxième, c'est qu'il y a une certification annuelle. Le fait que la certification soit annuelle nous oblige à nous remotiver chaque année, à tout le temps être dans l'amélioration continue et puis de ne pas mettre de côté les plans d'action qui fonctionnent bien. Donc nos process qu'on a mis en œuvre dans le cadre de la certification, une fois qu'ils sont fixés, on les pérennise grâce à la certification annuelle. L'exigence des critères nous permet de voir ce qu'on fait de bien, nous benchmarker par rapport aux autres entreprises qui font partie des meilleures du marché, et également de mettre en avant nos axes d'amélioration, puisque dans l'audit qui est réalisé, nos axes d'amélioration sont mis en avant, donc ça nous permet de travailler sur ces sujets en priorité pour apporter après, en termes de ressources humaines, la meilleure valeur ajoutée à nos salariés. On a deux priorités RH majeures. La première, c'est le recrutement, puisque chaque année, depuis 3 ans maintenant, Otis connaît une forte croissance d'activité, donc on recrute environ 10% de notre effectif chaque année. Ça concerne tous les métiers, tous les types de statuts, même si le cœur de notre métier, c'est le métier de technicien ascensoriste. Donc la certification Top Employer nous aide notamment à avoir cette attractivité pour recruter le mieux possible. Mais dans un environnement très concurrentiel et avec un marché très tendu, le recrutement est plus stratégique que jamais. Le deuxième axe, c'est la fidélisation de nos salariés. Ça va de pair avec le recrutement, puisque plus on a de fidélisation des salariés, moins on a de recrutement à faire. Mais également, c'est très culturel chez Otis. On a une ancienneté moyenne de 17 ans chez Otis. Donc pour une grande entreprise avec 5000 salariés, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, mais sur lequel on essaie de ne pas se reposer sur nos acquis. L'objectif étant de se rechallenger chaque année avec nos process RH, l'intégration des salariés, la culture de la formation chez Otis qui est très importante, et surtout l'évolution professionnelle. Chez Otis, on peut rentrer et faire sa carrière, peu importe le poste sur lequel on a commencé. On a des techniciens qui ont commencé il y a 20 ans, qui sont aujourd'hui directeurs d'agence. La plupart des membres de notre CODIR Otis France sont là depuis plus de 20 ans. Donc la fidélisation, malgré un turnover aujourd'hui qui est très raisonnable, reste un de nos enjeux majeurs.